ネトマブル。Yo tout le monde, c'est Iden et aujourd'hui on est là pour jouer à Nanatsu no Taizai Ikari no Grand Course. Alors c'est un jeu magnifiquement beau, pour dire, il est incroyable. Ça fait longtemps que j'ai commencé à jouer, ça fait depuis sa sortie, hein. Bon, ça fait plusieurs mois que je l'ai attendu. Et il est enfin là pour nous faire plaisir, pour qu'on s'amuse tous ensemble. Alors déjà je vais vous montrer ma box avant de commencer. Donc je n'ai pas fait de reroll. Voilà, attendez, je vais juste faire un truc vite fait. Ah d'accord. Donc voilà. Il faut avoir 40 000 coeurs. Putain, ça va être chaud. Putain, qu'est-ce que je cache par contre? Est-ce que j'aurais besoin d'aller dans les paramètres? Je ne pense pas. Donc je vais cacher les paramètres, ça va être mieux. Donc le jeu est très bien, il est magnifique honnêtement. Il y a même un mode AR, si je me souviens bien, mais je me rappelle plus où c'est. Ah, je crois que c'est ici. On peut passer en mode AR. Regardez, vous allez voir, c'est en mode réalité virtuelle, c'est un truc de ouf. Regardez-moi ça. On peut passer en réalité virtuelle. Bon, comme là en ce moment je suis en mode portrait, je vais pas vous le faire, hein. J'ai déjà testé et je vais vous dire que c'est très bien. Bon, alors on va du coup continuer. Nous, notre but c'est d'avoir L. Donc on va bientôt l'avoir, hein, pour vous le dire. Et pour l'instant, les teams que j'ai fait. Donc voici la team normale. Donc ici en fait, j'ai bien envie de mettre Diane, mais je pense que Diane, je vais la, cette Diane là, la SSR, je vais la garder parce que pour l'instant ici, lui, je peux mettre ça à faire une attaque truc. Je n'ai toujours pas le ban, donc à vrai dire c'est chaud. Mon équipe vaut 38 000. Et en PVP, pour l'instant, on va voir ça après. On va pas jouer au PVP. Moi, j'ai envie d'avancer dans l'histoire, pour être honnête. Donc, on y va. C'est parti. On avance dans l'histoire. Donc là, on va faire pour avoir la Diane SSR bleu. Et on est parti. Il y a 10 combats à faire. Donc, honnêtement, je vais pas partir sur le mode auto. Je vais vous montrer. Ou par contre, on commence mal. On a 40 000. Il nous faut déjà des personnes à 40 000. Est-ce qu'on faisait ça? On est bon. Toujours pas. Donc on va virer quelqu'un. De préférence le ban. Et on va mettre. Le ban Grimjo. Il va toujours servir. Et du coup, je vais retirer le king. Le mettre ici. Basculer. Oser là. Et puis ici. Mettre la petite Diane. Merde, le ban il est niveau 34 aussi. Non mais oh. Attendez. Laissez-moi quelques instants. Je vais juste régler ceci. Donc on va remettre le ban là. Ici je vais mettre le ban. Voilà. Et puis là je vais mettre Diane. Et normalement Diane doit avoir le lien avec King.
Écoute, je sais plus c'est laquelle. Il y a l'attaque spé avec Hauser. Donc c'est plutôt nice. Est-ce qu'on fait l'attaque spé avec Hauser ou est-ce qu'on fait l'attaque spé avec King? Honnêtement, je n'en sais rien. Donc quoi qu'il arrive, c'est Hauser. Donc on va faire quoi? On va mettre Hauser ici. Comme ça, l'équipe sera très bien. Et on va mettre le petit King là. Parfait, comme ça lui il aura la synergie avec Jan. Le ban, est-ce qu'il a? Oui, avec lui. Bon, c'est mieux que rien qu'ils ont tous une synergie. Comme ça au moins on commence. Donc voilà. Ok, c'est cool. Le jeu est magnifique, il est magnifique, honnêtement, regardez, c'est cinématique, c'est un truc de ouf. Et là, on va rentrer dans le gameplay, je vais vous expliquer comment ça va se passer. De toute façon, ce n'est pas un problème, on n'a pas besoin de ça. Alors, vous avez vu en bas, il y a les cartes. Alors, on peut faire plusieurs choix. Soit on fait un move pour fusionner deux cartes, soit on peut directement, à partir du moment où on les fusionne, ça fait deux étoiles. Et faut fusionner une étoile ensemble, deux cartes, une étoile pour avoir une carte, deux étoiles, et deux cartes, deux étoiles pour avoir une carte, trois étoiles. Chaque carte ramène des boules jaunes que vous voyez en bas. Ces boules-là permettent de charger votre attaque spé. Lorsque vous avez les 5 boules, vous avez votre attaque spé. Regardez, je vais vous montrer le move après. Bon, pour l'instant, on ne fait rien. Heureusement qu'on a le King, il va pouvoir nous aider. Donc, regardez ici, on bouge là. On bouge là et là, carte 3 étoiles. Voilà, parfait. Et donc, ici, on va mettre la Diane. Donc, la basse régène. Donc là prochain, en fait c'est très stratégique parce que en gros le prochain je vais faire un move, voilà, et je vais mettre, est-ce que j'ai besoin de heal? Ouais, je crois que j'aurais besoin de heal parce que elle va attaquer au prochain tour. Désolé. Et elle va mettre son attaque spé. Voilà, parfait, il y a l'attaque spé de Hauser. Alors on va voir si c'est l'attaque spé. Elle est plutôt belle, son attaque spé, elle est plutôt belle. Ouh, elle a régène. Bon là par contre on va envoyer des attaques spé et du heal, comme ça on aura tout.
Elle est très belle la taxe P, honnêtement. Par contre, je sais pas quoi faire. Parfait, elle est bloquée, donc il faudrait que je fasse ça. Attaque de Minodas, on va faire l'attaque de Jian ensuite. Parfait. C'est parti. Parfait, on l'a mis mid-life déjà. Ce qui n'est jamais arrivé dans cette partie. Donc voilà, elle est dans les vapes. Parfait. Donc, maintenant, ce que je compte faire, allez hop, on va. Ensuite ici, on envoie une attaque là. Ah, donc j'aurais dû faire l'inverse. Oula, 17 000, ça fait mal quand même. Désolé. Hop là, on y va, on lance l'attaque de King, on lance l'attaque de Jian. Et on se heal parce qu'on a vraiment besoin de heal là. Ok. Allez, on lui retire toute la vie normalement là. Faut pas qu'elle tue mon king, sinon on est fini. Parfait, le counter. Finish attaque, parfait, parfait, c'est très bien. Il était long, mais bon, au moins on l'a fait. Au moins on l'a fait, c'est cool. Honnêtement, elle met du rouge à lèvres avec le sang de ses ennemis. Oh là là. Donc si je mets lui, synergie, ok, donc il n'y en a pas. C'est dommage. Désolé. Donc, attendez, je vais voir si je peux changer. Avec le king, vous avez vu, donc... ça
On va mettre la synergie avec le King, comme ça vous allez au moins voir une attaque duo potable. On va mettre le ban ici. Et puis ici, on met Jan. Avec le petit menu d'As. Voilà. Donc voilà, c'est parti, on y va pour le deuxième combat. Allez, c'est parti. Mais pourquoi t'as tapé que Gozer? Oh là là. Alors là, je sens qu'on va passer un mauvais quart d'heure. Gozer va mourir, c'est pas bon. Gozer va mourir. Putain, le buzzer est mort, non! Ban est mort aussi, attention. On va terminer ceci.
Finish attack. Perfect. Regardez-moi cette beauté. Bon, je pense que ça va être le dernier combat. Oh, les cons, j'avais mis Jen alors que j'aurais pu mettre Hauser. Ça aurait été nettement plus simple. Alors, ah oui, ici ça va être notre ami. Alors on va devoir faire des choses avant. Et je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce que... Bah tout ça, bah, on est déjà à 20 minutes de vidéo. Allez. Et on va faire la petite multi pour passer à 30. Pour passer à 40, oui. Donc ici j'en ai un. C'est soit un SR, soit un SSR. Donc en gros c'est. On prie. Hein. Allez. On y va, on attente. Je pense qu'on va avoir un SR. Mais bon. Qui ne tente rien à rien, comme on dit, c'est parti, on y va. Attention, vous allez voir, le mécanisme de multi est très 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 belle. Oh là là, attention, purée, le bateau par contre qui est venu. Le bateau qui n'est pas bon. Ah, Meliodas qui se fait battre, c'est pas bon. Tout ça n'est vraiment pas bon. Il va se faire battre. Et oui, il va se faire battre. Quel dommage. Un SR. C'est dommage. Bon, on va faire... la dernière multi. Donc, nous, on veut de préférence la Jian qui pourrait bien nous aider. Ban aussi qui pourrait très bien nous aider. Gozer, on veut enlever tous. Mais de préférence, si on a Ban ou Jian, ça serait parfait. On y va, attention. C'est parti.
Oh, il y a une épée cette fois-ci. Oh là là, oh, attention, attention, on voit la marque là. Oh oui, ça peut être bien. Ça peut être même très très bien. Il est proche. Parfait. L'arc en sec qui vient. Attention, ça veut dire peut-être un nécessaire. Peut-être un nécessaire. Ah, il se fait battre. Quel dommage. C'est moite moite. Oh non, là déjà, c'est pas grave. Deux fois. Nécessaire, s'il te plaît, là. Switch. Oh non, c'est Meliodas qu'on a déjà. Et donc voilà, on va se laisser là. Ah oui. On va... Je vais aussi vous faire un best-of des invocations qu'il y a eu par la suite. J'espère que cette vidéo... bien avant, pardon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous et likez. Et aussi, Hidden is not the Heaven. Peace! Thank you.
面白かったね。この魔力を存分に使える。拳を味わってみたいやつは誰だ。世の中ギブアンドテイ。もうこれ以上大切なものを失いたくない。興味深い。お疲れ様っす。